Hey, et bien salut tout le monde, c'est Tricker, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve après une petite pause de tournage, on va dire, du Wonderlock Challenge. C'est vrai que ça fait une semaine que j'ai pas posté d'épisode et j'en suis navré, mais voilà, j'ai pas eu trop le temps de tourner, d'upload, etc. Même si l'upload n'est plus vraiment très contraignant puisque j'upload assez rapidement désormais. Et donc voilà, j'en suis un petit peu navré, mais je vais retrouver un rythme d'upload relativement équilibré, on va dire. Et pour commencer, bah donc on va tout de suite commencer cet épisode par aller au centre Pokémon, puisque voilà, on va faire un petit point sur l'équipe, etc. Je rappelle que dans le dernier épisode on a perdu Volt et tout, et donc bah on va bien voir. Je vois que j'ai un Graena, je ne sais pas ce qu'il fout là. Pourquoi j'ai un Graena? Ouais. Déo, c'est qui? C'est moi. Route 15. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Un petit peu bizarre. Je n'ai complètement pas. Bon, bah tant pis. J'ai pas trop compris pourquoi j'ai un Graena. Mais par contre, je voulais remettre Kangourex dans l'équipe parce que il a perdu un petit peu de level. Et puis, voilà. Et puis, on va faire Skido. Puis voilà, l'équipe. Bah, franchement, il y a des Poké qui pourraient vraiment être intéressants. Mais peut-être plus pour la fin du let's play. Je parle notamment de lui, encore de lui, qui pourrait être intéressant. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense que mon équipe de l'aventure et mon équipe de la ligue pourraient être totalement différentes. Mais ça, ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr. Donc on verra bien dans le futur comment ça va se passer. Dans cet épisode, on va surtout s'occuper de faire une chose, c'est la caverne gelée. Visiblement, c'est assez long d'après ce que m'a dit Sisa, et dans le prochain épisode on sera donc la route Mamochon, puisque apparemment il faut un épisode pour chaque chose. Donc on va bien voir. Est-ce que j'ai soigné mes poké? J'ai pas soigné mes poké, donc on y retourne rapidement, ce serait cool. Et puis ben voilà, on va essayer de plutôt bien gérer, on va essayer de plutôt bien gérer, parce que ce serait cool qu'on perde plus trop de poké, parce que là on a quand même l'équipe type. Donc voilà, je voulais aussi revenir par rapport au CA. Alors là, les derniers CA qu'on m'a envoyé, je les ai pas ajoutés. Donc pas de panique, si je vous ai pas encore ajouté, je le ferai. Mais là actuellement, bah, j'ai pas eu trop le temps de fouiller dans les commentaires pour trouver vos CA. Mais je le ferai très très prochainement, bah, sûrement à la fin de ces épisodes là. Donc go pour la caverne gelée. Je vois qu'il y a un dresseur, j'ai en premier Mawile. Allons-y, c'est parti. Alors, voyons voir sur quoi on va tomber. Jamel le montagnard qui nous envoie un Vibranymph. C'est parti. C'est parti, Jamel. À nous deux. Par contre, Vibranymph, ouais, c'est pas terrible face à Mawile. Donc, on va se casser. On va envoyer. On va envoyer du Kangourex parce qu'il est un petit peu de retard. Donc, c'est parti. C'est parti avec Kangourex. Voilà. Hop. C'est vrai que là, les levels m'ont l'air quand même pas mauvais. Parce que c'est vrai qu'à une période, j'avais quasiment 10 levels de plus que les autres. Là, je vois que ça s'est bien resserré. Donc, je suis plutôt content. Parce que voilà, j'ai pas trop non plus envie de tout écraser. Bon, là, je pense que le coup double de Mega Kangourex devrait faire l'affaire. Et puis ensuite, on pourra continuer notre route. C'est vrai que enfin, je pense que vous l'avez compris dans les derniers épisodes, c'est vrai que j'accélère un petit peu, dans le sens où j'ai vraiment envie de finir le jeu. Bah, pas dans le sens où ça m'énerve, enfin, dans le sens où j'ai vraiment envie de me mettre un peu à la strat et de vous proposer des combats, ce qui fait que c'est vrai que l'aventure, je peux peut-être un petit peu l'accélérer parfois. Mais faut pas croire que c'est parce que j'ai envie de boycotter le jeu, enfin, dans le sens où j'ai vraiment envie de le finir rapidement.
Alors que je veux prendre aval. Je veux apprendre aval, pardon. Et ça va en faire rire plus d'un. N'est-ce pas Volt, n'est-ce pas Cisa? Je n'expliquerai pas pourquoi. Ils comprendront de même, mais je n'apprends pas aval. Mais il y en a une qui devrait l'apprendre. Donc. Mince, j'ai fait oublier une capacité, donc non. Garder les anciennes capacités. Oui, voilà. On a tout refusé. Et on a battu Jamel le Montagnard. Voilà. Et donc, voilà, c'est vrai que j'accélère un petit peu. J'espère avoir fini le jeu prochainement. On va dire prochainement, c'est le terme. Alors que là, il y a un combat aérien, mais j'ai pas de Pokéball, donc. Ah bah visiblement je peux quand même. Ah oui, ça doit être Smogogo parce que j'ai lévitation et ils doivent compter ça comme ça. À mon avis c'est ça. Smogogo, bon, Vortante ça va. Tranquillou, en plus j'ai 8 levels de plus, donc Bomber qui devrait le défoncer. Tout se passe bien. Voilà, ciao Vortante. Casse-toi. Comme ça, ça me donne un petit peu d'XP, c'est pas plus mal. Pourquoi je prends des dégâts? Ah oui, la grêle, ok. Ok. Et l'acmé signe. Ok, j'ai tonnerre, donc ça devrait le faire. Mais niveau 44, donc on va faire attention tout de même. Il m'a fait anneau hydro. Ok, pas de problème. Tonnerre, je sais pas si ça le bute en un coup. Eh bah si. Bon bah parfait. Non, il est vraiment cool, Smogogo dans son registre. Il est vraiment cool. Et là, on est presque niveau 50, donc c'est parfait. Et bah ça va pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va prendre le pont. Alors qu'il y a un Mamochon, mais totalement flingué je trouve, puisqu'il est vraiment petit. Genre je sais pas, Mamochon il devrait être carrément, bah, regardez le dresseur, il est plus grand en taille que le Mamochon. Alors niveau perspective c'est un peu chelou, donc c'est un peu mal fait je trouve. Mamochon, quelque chose te chagrine avec la caverne gelée. Dis-moi dresseur, tu n'irais pas du côté de la caverne gelée par hasard? C'est que d'habitude Mamochon fait traverser la route 17 aux gens, mais récemment il a l'air perturbé par la caverne gelée. Les Mamochons sont des Pokémon qui raffolent des grands froids. Peut-être a-t-il senti que quelque chose n'allait pas dans la caverne gelée. Qui es-tu? Je m'appelle Trovato, le célèbre professeur Platane m'a demandé de l'aider dans ses recherches pour dresser la liste des Pokémon par aire géographique. Je comprends, ça explique pourquoi vous allez du côté de la caverne gelée. Mais faites attention, si Mamochon est inquiet, c'est que c'est peut-être dangereux. N'ayez aucune inquiétude à ce sujet, mais merci du conseil. Nanana, bitch, ok. Mais on s'en fout de ta vie, petit rouquin. Casse-toi, nous on t'aime pas. Par là y'a rien. Là y'a quoi? Eh ben y'a un combat aérien. Ok, c'est parti. Je suis chaud. J'espère que c'est pas un poké de ouf. Ok, elle a qu'un poké, ça me fait déjà peur. Exagel. Ok, Exagel. Ouais, j'ai rien de super efficace contre lui. On va lui faire tonnerre, je pense. D'entrée de jeu, ça peut être cool. Parce que, bon, je sais plus combien ça fait le poison. Je crois que ça fait rien. Bon, on va voir tonnerre. Ok, Ice Beam. Et qui, s'il me freeze. Oh, les dégâts de malade! Oh, les dégâts de malade! Ils sont sérieux là? Ok, balance. Ok, alors là, il faut que je la tienne. 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 Ok, je la tiens. Oh, yes. Yes. Ah, c'est tout! Oh, c'est trop nul! Oh, merde, là, je vais pas la tenir. Hein. Merde, 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 merde. Casse-toi, rate. De folie, j'ai fait Bomber, je sais même pas pourquoi, j'ai même pas comment ça va lui faire d'ailleurs. Putain, il faut pas que je me tape. Hein. Si je me tape, ok, Bomber, je sais pas comment ça fait. Hein. Yes, il est empoisonné. Yes, ah ouais, mais ça va peut-être pas le buter. J'ai fait Ice Beam, allez, crève. Oh merde, il va plus vite que moi. Non. S58 PV, je la tiens peut-être. Hein. Oh, je sais pas. Attendez. Tonnerre. Allez, allez, s'il te plaît, fais pas. S'il te plaît, non. 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 Gentil. 4. Oui. Oui. Yes. Ah, mais attendez, avec la grêle, ça marche pas. Hein. Qu'on reste.
Ok, niveau 50, en plus. Oh là 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 là. Elle est combat aérien, c'est. Les combats aériens, c'est quand même stressant. Éructation, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc? Ah, c'est ça l'attaque qu'il apprend, ces vipères là, dont on m'a parlé. Cisa, le lanceur se tourne vers l'ennemi et lui éructe dessus. Lui éructe. C'est quoi éructer? C'est pas vomir? Ne fonctionne que si le lanceur consomme la baie qu'il tient. Ah ouais! Mais ça vaut le coup, mais là non. Pour le coup, non, ça vaut pas le coup pour moi. Non. Bah tant pis. Mais j'avoue, l'attaque, elle a l'air cool. Mais non. Éructer. Tiens, bah d'ailleurs, dans les commentaires, si vous pouviez me dire ce que ça veut dire, éructer. Au risque de paraître con, je ne sais pas. Et donc, bah voilà. On a gagné et ça a été super chaud. Excusez-moi un peu si j'ai crié un peu fort. Je m'excuse. J'ai combien de super potions? 12. On va lui en mettre 2. Et est-ce qu'on a des. Non, ouais, potions. Hop. Ouh, ça a été chaud, hein. Merde, j'ai utilisé 2 potions pour 7 PV, c'est un peu con. Bon, c'est pas grave. Hop. Ça c'est bon. Ok, là il y a une Pokéball. Là il y a un dresseur aussi. On va peut-être changer un peu l'ordre. On va mettre Kangolex. Voilà. Parfait. Et c'est parti. Lui, on va le défoncer, le papy. Papy artiste là. Il a un. Un Kelorior. Bon, comme d'hab. Ok, bah pas de problème. Que l'Orient, je vais le gérer sans souci. Niveau 44. Point boost, est-ce que ça le bute? Oh si, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen que ça le bute. Je pense que ça devrait le faire. Alors, voyons. Voyons voir. Bien sûr que ça le bute. Bien sûr que ça le bute. Ok, bon, par contre, il rapporte pas grand chose. Donc, combat un petit peu. Un petit peu pourri. Mais c'est pas grave. Alors, passons, passons par là. On peut pas. Par là, on peut pas. Donc, on va monter. Il n'y a pas de combat? Non, casse-toi de passant. Ah, j'aime bien la vue là. Ce sera sûrement en miniature. Par contre, là, je réfléchis. Mais est-ce que en rentrant, c'est caverne gelée aussi ou pas? Oui, c'est considéré comme la caverne gelée aussi. Ok. Donc, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Donc là, si on tombe sur un poké. Là, il y a une dresseuse. Bon, on va rester Kangourex. Ok, bon, avant, il y a le poké. Ça marche, pas de problème. C'est un Poulagriffe. Ok. Ok. Ah ouais, niveau 39 quand même. Quel est le problème? C'est que j'espère que ma chouille le bute pas. J'ai peur. Tiens là, hein. Tiens là. Ok, parfait. Par contre, ça lui baisse sa défense. Il me fait chute glace. Bon, ça va, je devrais la tenir. Tranquillou. Ça va. Sa défense, elle baisse. Problème, c'est que là, je peux pas faire le fou et en remettre une. Donc je vais tenter. Sinon je pourrais l'empoisonner, mais alors là c'est encore plus dangereux. On va tenter une Lux Ball. Bon allez, on va tenter une Lux Ball. Je sais pas pourquoi, mais allons-y. Allez, viens avec moi. Allez, ok, il ressort direct. Je crois qu'il m'aime pas beaucoup. Je vais tenter une sup. Est-ce que j'ai des. Oh, j'ai des Hyper Balls. Oh, ça m'énerve d'en utiliser une là. Allez hop, Super Ball. Et au pire, si ça marche pas, j'envoie Smogogo. Qui a pas grand chose à craindre. 2, 3. Allez, viens. Oh, genre. Bon, ok. Je vais me faire encore une Super Ball. Je suis sûr que celle-là, c'est la bonne. Et sinon, j'envoie Smogogo. Allez, tranquille, viens. Viens, 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 viens. Ok, là, il ressort direct. Non, mais n'importe quoi, hein. Et je vous jure, bon, j'envoie Smogogo.
Parce que là, ça commence à me saouler. Je perds trop de PV en plus, là. Ok, là, je me casse, c'est obligé. Smogogo. Ouais, c'est parti. Smogogo. On va lui faire un petit coup de toxique. Il va pas apprécier. Chute glace. Bon, j'espère que je la tiens bien, là. Allez, tranquille. Enti, un passant, vous propose un duel. Non, mais ils sont sérieux. Il y en a, ils copient carrément son pseudo, quoi. Ah là 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 là. Tu crois n'importe quoi, quand même. Toxique. C'est parti. Allez. Allez, viens. Allez, normalement... Ok, j'ai pas vu ce qu'il m'a fait. Vantardise, non? Ouais. Il m'a fait Vantardise, ok. Pas de problème. Normalement, là, il devrait avoir la barre orange. Eh ben non, même pas. Bon, on va continuer avec, avec des Super Balls. Hein. Que voulez-vous? Normalement, déjà avec le poison, il devrait être plus simple à capturer. Ok, ben, c'est pas trop le cas. Il faut de me faire Swagger. Surtout que je veux le capturer, c'est un peu bête. Alors, continuons, continuons. Là, il va être dans le orange. Voilà. On va lui envoyer une petite hyperbole parce que là, ça me saoule. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Voilà, c'est la première que j'utilise. Allez, hop, let's go. Viens avec moi. Un. What? Ils sont sérieux, là? Putain, j'ai utilisé une hyperbole pour rien. Et il va crever à force. Hein. Il va crever ce con à force. Et ouais. Là, il lui reste plus que deux tours. Hein. Allez hop, hyperbole encore. Putain, il est chiant ce poké là. C'est tout ça pour capturer un flat bébé. 3. Ok, c'est pas trop tôt. Hein. Je sais pas combien j'en ai utilisé des pokéballs là. Mais bon, c'est un peu chiant. Hein. Bon, Polagriffe. Attrapé. Niveau 48 pour Kangourex. Ça c'est cool. Donc Polagriffe, casse-toi. Pokémon congelé. Voulez-vous donner un surnom? Non. On l'a transféré chez les gays. Et on va tout de suite l'envoyer à l'échange miracle. Il est niveau 39. Donc on peut avoir jusqu'au niveau 49. Oups, j'ai failli faire une grosse bêtise. Alors c'est parti. Polagriffe. Ciao. Polagriffe, ciao. Et on va bien voir ce qu'on va récupérer à la place. Ce serait cool qu'on ait un bon truc. On va bien voir. Allez. C'est vrai que niveau échange miracle, c'est quand même, on va dire, une fois sur deux, ça vaut le coup. Une fois sur deux, à peu près. Ok. Allez, les Japonais sont relativement gentils avec nous à l'échange miracle. Donc, on va dire que... Ah, bon, bah je l'ai déjà, donc je le renvoie. Puis je pense pas qu'il sera plus intéressant que celui qu'on a déjà. Surtout que le mien, il a vol. Celui-là, je peux lui apprendre vol aussi, mais... Je dirais, à mon avis, il vaut plus le coup le mien. Bref, on est donc reparti pour l'échange miracle. Let's go. Bon, là, par contre, je le refais une dernière fois, sinon je le ferai en fin d'épisode. Je regarde vite fait, il est niveau 26, il a tornade. Ouais, ok. Le mien vaut plus le coup. Alors. Donc, il était niveau 39. Non, jusqu'au niveau 39. Non, jusqu'au niveau 49. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc Sonistrel, qu'allons-nous avoir à la place? Il y a des gens, des fois, ils tombent sur des shiny à l'échange miracle. Ou des légendaires et tout, mais je sais pas comment ils font. Moi, je tombe sur un légendaire. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à Xerneas. Quand je vais le capturer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je l'échange ou que je le garde. Personnellement, j'aimerais bien le garder parce que c'est pas cool. Mais, oh, ils sont sérieux, Skido, je l'ai déjà... Mais voilà, je le ferai en fonction de comment vous voulez que je le fasse. Mais j'aimerais bien le garder Xerneas, donc ce serait cool que vous disiez que non, mais je vais pas vous influencer. Mais voilà, ce serait cool que
Xerneas, je le garde parce que c'est quand même un légendaire. Et puis voilà quoi. Bon, on est reparti, mais une dernière fois, parce que j'ai envie de la faire, cette caverne gelée. Et je sais pas si elle est longue, etc. Enfin, apparemment, elle est entre guillemets longue. Elle devrait nous faire tout l'épisode de toute manière. Donc voilà, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc ce serait relativement cool si on dépassait pas trop les 30 minutes. Alors, Skiddo, let's go. Ouais, non, mais franchement, là, un poké, mais c'est bon, arrêtez de me saouler. Un poké qu'on peut vraiment avoir. Pas un truc qu'on a déjà. Came is man men. Is man name. Is man name. Allez, Japon. Soyez sympa avec moi, là. Allez, casse-toi. Et on a un. Yes! 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 Eh, ma parole, on a que des Poké méga. Enfin, qui peuvent être des méga Evo. Mega Pinsir! Bon, on n'a pas la Scarabrutite. Mais. On a Pinsir, et ça, c'est cool. Mais on a plein de Poké qui peuvent méga évoluer. C'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade, mais ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bon, j'irai vraiment vérifier ses stats et tout plus tard. Là, on a perdu un petit peu de temps avec ça. Mega Pinsir, encore un Poké qui pourrait vraiment rentrer dans la team. Et ça, c'est cool. On va juste soigner un petit peu Kangorex. Parce que voilà. Et en fait, bah, c'est Kangorex qui est un petit peu mis en danger. Parce que finalement, bah, il y a Mega Dracaufeu X qui pourrait le remplacer. Il y a. Voilà. Un petit peu de danger hein, quand même. Il y a Mega Misdibule aussi dont on parle pas mal. Là maintenant, on a Mega Pinsir. On a Mega Gardevoir éventuellement. Danger, moi je dis danger. On va mettre Chapignon peut-être en premier là. Parce que Chapignon aussi il est un petit peu en retard. Qu'est-ce que je fais? Pokémon. Chapignon. À place de Kangorex. Kangorex. À place de Florchess. Voilà. Là on est bien. On va affronter cette dresseuse. Et après on va avancer un petit peu plus dans cette caverne gelée. Léa top dresseuse avec un Dimoclès. Ok, c'est le Exagite. Enfin, c'est le sous-évolution de Exagite. Oui, si, c'est ça. Exagite, oui. Alors. Je me rappelle plus. Acier. Merde, il est acier spectre. Mais est-ce qu'il est déjà acier spectre de base? Ou est-ce que c'est que Exagite? Eh, niveau 46 quand même, hein. Mais là, si je me fail. Dans les Timoclès, il est. J'ai bien envie de vérifier là. Même si j'ai pas trop de temps. Timoclès. Moi, j'ai envie de dire qu'il est. Qu'il est. Il est. Ok, donc combien? Ok, donc il est déjà spectre. Feu, sol. J'ai pas de. Feu, ni de sol. Il prend donc 0 sur le normal. Et il prend la moitié sur ça. Ok. On va se casser. On va envoyer Aquali. Oui, on va envoyer Aquali. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que c'est lui, je pense, qui peut lui faire le plus de dégâts. Mur de fer. Ok, si tu veux. Bon, ça devrait pas poser trop de soucis. Je pense que surf. Va lui faire de bons dégâts. Normalement. Ok, quasiment buté. Tranche nuit. Je la tiens tranquillement. Pas de problème. Aquali, c'est vraiment Big Boss. Vraiment. C'est vraiment un super poké. Onde boréale pour le terminer. Ok. On s'en sort bien parce que ça aurait pu ne pas suffire. Et on gagne de l'XP tranquillement. Voilà qui est fait. Tout est parfait. Voilà. C'est toujours Chapignon en premier. C'est toujours Chapignon en premier. Dirigeons-nous par ici. Continuons par là. Est-ce qu'il y a un objet? Il n'y a pas d'objet. Là, il y a un dresseur. C'est parti. Ok, il n'y a que des top dresseurs, donc ça va être dangereux. Les combats vont être, à mon avis, assez compliqués.
Mais on va essayer de gérer. Reichu. J'ai champignon en premier, donc ça passe. Ça passe. On va lui faire un petit coup de forte paume. Il ne devrait pas trop apprécier. Pour commencer. Ok, mode speed. Ah ouais, Raichu mode speed. Ok. Et forte paume, comment je lui fais? Oh genre. Un coup de boule pour le terminer. Ok, si tu veux deux mimiqueux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà, Raichu, c'est bon. Chapin devrait passer niveau 49 si tout se passe bien. Ouh la vache. Ah oui, l'XP qu'il m'a donné. C'était vraiment notre bad. Ah quoi quoi. Bon, moi je vais rester. Quoique, il pourrait me faire... est-ce qu'il met outspeed? Je sais pas. Bon, les canons graines. Ok, je la outspeed donc. Je le bute. Ok, parfait. Ah quoi quoi que c'est bon. Ensuite, ossature. Ossature. Canon graine. Ça devrait le buter aussi. Oui, parfait. Bon, bah, il a bien géré Chapignon. Il est quasiment niveau 50 en plus, je crois. Ouais, quasiment. Il était niveau 48 juste avant ce combat. Bon, bah, c'est parfait. On va le laisser un petit peu en premier encore. Alors que là, il y a un chemin. Salutations, non, je m'en fous. Attends, je vais juste redescendre. Ah oui, par contre, j'ai pas mis de repousse. Je me disais aussi. Il faudrait peut-être que j'en mette. On va commencer qu'une petite repousse. Tranquillou. Juste, on va aller là parce que j'ai vu voilà qu'il y avait un autre chemin. Je sais pas lequel est le bon. Ok, ici, donc, doit y avoir un objet. Voilà. Musque plus. C'est nul. Ok, tout ça pour un muscle plus. Ok. Ok. Donc on va retourner par là. Oula, ah j'aime pas ces trucs là. Oh là là là, joyeux bordel. Bon, anti-gel, on prend. Ah j'aime pas ces trucs là, c'est chiant. On va toujours laisser champignon premier. Hein. Ok, donc là ça mène là. Non, il n'y a rien. Ok. Ok, là, il n'y a rien. Je dirais qu'il faut aller par là. Voilà, comme ça, il y a le montagnard. Pas de problème. Le montagnard, on va le défoncer. En plus, on a champignon, donc ça devrait le faire. Reliquante, pas de souci. Champignon va s'en charger à coup de canon graine. Sans problème. Voilà, ciao. Voilà, parfait. Ciao, Relicante. Voilà, quasiment 50. Et Rhino Féroce. Bon, on va lui faire la même chose. À coup de canon graine. Et ciao, Rhino Féroce. Voilà. Pas de soucis. Pas de soucis. Puis on va pouvoir passer à un autre poké. Désormais. Puisque Chapignon passe niveau 50. Il va peut-être apprendre une attaque. Non, il n'apprend rien. 161 de stats en attaque, c'est notre bad quand même. C'est notre bad. Passons donc à... Est-ce qu'on reste avec Kangourex? Ouais, comme ça, ils vont tous passer niveau 50. C'est pas mal. Donc on va rester avec eux. Je vérifie un petit peu ce qu'il y a là. Merde. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller là-haut. Parce qu'il y a une... Il y a un anti-gel. Donc on va le prendre. Là, il n'y a rien. Hop. Je sais pas s'il y a quelque chose en bas. Visiblement, il n'y a rien. Visiblement, je me suis fail. Donc, on est un petit peu reparti de zéro. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Pas grave. Pas grave. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Je crois que c'est ici qu'il faut. Ok, non, ça me fait revenir au début. Champion! Donc il faut aller là. Ensuite, il faut aller là. Non plus en fait. Je sais même plus où faut aller. Ah, si, c'est peut-être ça. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà.
C'est mieux. L'effet du repousse est dissipé. Voulez-vous en utiliser un autre? Pour le moment, non. Ah oui, d'accord. Par contre, si je veux passer. Ah bah si, en fait, il y a des pokés. Bon, bah, tant pis, hein, je vais remettre une repousse derrière. C'est pas grave. Tiens, un nouveau poké. Grelasson. Grelasson. Niveau 39. Ok. Bien, bonjour. T'es pas très beau. Sac. Repousse. Hop. Alors, comment je peux faire pour rejoindre ce truc? En fait, j'en sais rien. Comme ça fait quoi? Merde. Ah, si, peut-être que. Ouais, c'était pas une bonne idée. Genre, pas du tout. Faire ça. Ensuite, ça. Let's go. Hop là. Pompelo. Ensuite. Ensuite ça. Ça fait quoi si je fais ça? Non! Ah si, c'est bon. En fait, c'est pas grave. Ça. Putain, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Je sais pas, allons là. Yes! Je reviens au début. Yes! Champion. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je connais à peu près la technique. Voilà, ici. Ah bah voilà, c'était tout simple, je suis trop idiot. Bon. Bon. Non, là, on peut pas. Combat double, ok. Je sais pas qui est-ce que j'ai mis en premier. Elle m'a l'air super longue cette caverne gelée, alors qu'on est déjà à je sais pas combien de minutes d'épisode. Aucune idée, mais on est déjà pas mal. Donc, on est déjà plus de 30 minutes. Bon, c'est parti. On va essayer de les défoncer assez rapidement. Groray et Ariyama. Alors, pour Groray, j'ai. Pour Ariyama, j'ai pas trop. Méga évolution Machouille sur Groray. Chapignon, casse-toi. Ah oui, mais merde, y a Ariyama. Merde, y a Ariyama. Ah oui, ça c'est pas bon du tout. Parce qu'il va vouloir m'attaquer moi. Ah oui, les deux même, ils peuvent me faire très très mal. Bon, j'ai. Non, j'ai une autre idée en fait. Le gros ray. Je pense que je peux tenir une de ses attaques. Vu que je suis 50. En fait, ouais, voilà plutôt ce qu'on va faire. On va tout donner sur le Ariyama. C'est pas une mauvaise idée. Donc, si on en suit ma technique. Colère sur ça et ensuite forte paume sur Ariyama, il pourra jamais la tenir. Voilà, normalement j'ai pas de problème sur Ariyama, on devrait pouvoir le défoncer si tout se passe bien. Ok, alors voyons voir combien il se prend lui. Ok, bon bah gros red ciao. Voilà. Et combien il se prend l'autre
Ok, d'accord. Ah, par contre, ça attaque que le poké qui veut. Ah oui, mais voilà le problème. Et c'est ça que je voulais éviter, moi. Ok, bon, je la tiens. Donc, tout va bien. Coup double. Et voilà. Colère. Voilà. Bon, bah, c'est gagné, hein. Pas de problème, pas de soucis. Ciao. Allez, Yama. Bon, bah voilà. Ça a été un petit peu dangereux. On s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti. On va virer Chapignon parce que sinon il va trop XP. On va mettre Florgesson dans les premiers. Alors, Florgesse et Kangourex. Ah, il a pris cher encore. Hein. Il a pris bien cher. On va lui mettre une petite super potion. Ah, ça commence à être un petit peu compliqué hein, pour certains. Hop, on va lui en mettre une petite deuxième. Il faudra que j'en rachète parce que là j'en ai presque plus. Pokémon. On va peut-être le mettre encore en premier. Et Florges en deuxième. Voilà, ça c'est mieux. Et continuons. Hop là. C'est parti. Bien sûr, c'est un karatéka. Donc, bah, je suis un petit peu en désavantage. Bagaïd. Ouais. Bagaïd. Je vais envoyer. Oh, quoi que je peux rester. Hein. Je peux rester faire point boost. Mais je vais rester et je vais faire colère. Plutôt. Plutôt. Comme ça, normalement, le bagage, je le gère. Il ne faudrait pas trop me saouler. Voyons voir. Ok. Ok. Bon, bagaïd, ciao, casse-toi. Ça, c'est bon. Je devrais passer niveau 49. Voilà, parfait. Parfait pour Kangourex qui va prendre Kuba. Kuba. Et je vire ma chouille. Kuba. Kuba et je vire ma chouille. Ouais. Kuba et je vire ma chouille. Voilà. Ça peut être utile. Judo Krak, ok, là par contre je me casse. C'est mort. Ah non merde, je peux pas. Bah oui, je suis bloqué sur colère. Si, je pense que je le bute quand même. Non, je le bute pas. Yamaarashi. J'espère que ça me bute pas. Hein. Et on s'en sort vraiment bien, parce que là. Heureusement que ça va le buter. Ok. Ça a été chaud. Hein. Ça a été très très chaud. Pourquoi je suis confus alors que j'ai gagné? Ok. Bon. Ça va alors. C'est pas grave. On l'a battu le karatéka. Pas de problème. Tout se passe bien. Ouais. Passons par là puisque visiblement. Mais est-ce qu'il faut surf en fait? Mais il faut peut-être surf. Dans ce cas-là. Ah bah non, faut pas surf, faut passer par là. Dans ce cas-là. Kangourex, bon, bah, on va devoir encore lui remettre un petit truc. On va lui mettre un lémeumeu parce que j'en ai 16. Voilà. Voilà pour les lémeumeux. Et on va mettre qui en problème? On va mettre Florges. Voilà, c'est parti. On va affronter cette petite fille. En général, c'est une combattante. Donc, elle devrait voilà, avoir des pokés de type combat. Caraclé, je vais le défoncer à coup de pouvoir lunaire. Pas de problème. Allez, hop, c'est parti. Pouvoir lunaire. Ciao, bye bye. Genre, il m'attaque avant. Genre, il me fait direct toxique. What? Oh la vache, les dégâts! En plus, je bute pas! Ah bah oui, la fermeté. Mince. Ok, donc de toute manière, il va m'outspeed. C'est sûr, donc Smogagao. J'ai pris super cher. Ok, là, je l'anticipe.
Voilà, comme ça il me fait rien. Je reprends ma vie. Je vais lui faire tonnerre, même si je pense pas que j'ai autre speed. Genre il a représailles. Non mais ça va, je la tiens. Tranquille. Et voilà, ciao Caraclé. Mais le direct toxique, j'avoue que je m'y attendais pas. Je savais même pas qu'il l'avait. Enfin bref. C'est vrai que là ils sont quand même plutôt chauds les combattants dans cette Shaofuin. Shaofuin, j'ai envie de dire que je peux le gérer normalement avec Florges. Je vais tenter de voir combien je lui fais et j'ai l'impression que ça va pas le faire. Donc on va éboulement. Ok, je vais me casser. Je la tiens mais. Ok, je me casse. Aquali. Putain, ouais, là c'est un peu chaud quand même, hein. On se calme, s'il vous plaît. Éboulement. Bon, là je la tiens mieux. Ouais. Ça va. Ça va, c'est correct. Surf. Tant pis, point. Super cher. Est-ce que je le bute? Aïe, je le bute pas. Donc ce qu'on va faire c'est abri. Voilà, comme ça je vais regagner un petit peu de PV. Et voilà, il va pouvoir me faire vampi point. Là je vais être à plus de 100 PV, donc dans tous les cas je suis à 100 PV, donc c'est sûr que je la tiens. Et derrière je le bute. Donc pas de coup critique, hein. Chaud quand même, hein. Chaud quand même, parce qu'avec un coup critique je pense qu'il me butait presque. Donc voilà, là les pokés deviennent vraiment très costauds. Il faut que je fasse très attention. Ça devient tendu, ça devient très tendu. Là Florges et Aquali qui tombent dans le rouge, c'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Les meumeux sur Aquali, 133 PV, et les meumeux sur Florges. Et puis voilà. Et puis voilà. On va rester avec Florges pour le moment. Ok. Allons par là. Ensuite par là. Là, il n'y a rien. L'effet du repos s'est dissipé. On va en prendre un autre. Je trouve une perle. Je pourrais la revendre. Voilà. Hop. Allons par ici. Ok, là, il n'y a rien. Hop, on va aller prendre la Pokéball. Max repousse, ça peut servir. Donc c'est cool. Elle est longue cette caverne, elle est longue. Mince. Hop. Ici c'est bon. On descend. Il y a du monde. Il y a visiblement des dresseurs surtout. On va rester avec Flo. Non, dis rien, c'est le moment de faire un bivouac pour ton équipe. Ok, super, toi tu gères la fougère, merci. Toi, t'es un montagnard, c'est parti. Bon, l'épisode va être très long encore. On a plus de 40 minutes. Bon, ça va faire un très long épisode. Mais si en plus la route Mamochon, il m'a dit qu'elle était encore plus longue, c'est vraiment pas bon signe du tout. Genre du tout. Florges, feuille magique, ciao. Normalement, pas de problème. Je dis bien, normalement. Oui, c'est sûr même. Hop. Ah merde, c'est vrai qu'il a fermeté. Piétisol, pas de souci. Ok, il va peut-être m'outspeed par contre. Oh, quoique. Non, il m'outspeed pas. Voilà, Gravalanche. On l'a buté. Donc ça, c'est cool. Niveau 50. Bon, Florges. Qui n'apprend rien. Encore un autre Gravalanche. Ok, parfait. Ça, c'est tranquillou. Putain, mais là, j'avoue, ils sont quand même chauds, les pokés. Hein. C'est un autre level, on va dire. C'est un autre level. Allez, feuille magique. Au revoir, Gravalanche. Ouais, c'est un petit peu tendu. Mais si je perds pas de poké à la fin de l'épisode, c'est quand même plutôt une bonne opération.
Parce que il y en aura eu pas mal qui m'auront bien saoulé. Stressy. Je sais pas trop ce que. Qu'est-ce qu'il va me faire? Juste pour voir ce qu'il me fait. Échange. Pouvoir lunaire, on va voir combien je lui fais. J'en sais trop rien, donc on va voir. Ok, donc je lui fais un 2 HKO, pouvoir antique. Je la tiens. Pas de problème. Ok. Ok, en fait, il y a tout qui augmente. Donc ça veut dire que je vais sûrement pas le buter. Et là, il va me faire. Bon, ok, ça devrait aller quand même. Voyons voir. Est-ce que je le bute? Non, je ne le bute pas, mais je vais le terminer à coup de feuille magique. Ça devrait suffire. Fléau, je vais la tenir. Ouais. Ah oui, d'accord, en fait, c'était super efficace. Mais il est quoi? Il est pas roche-glace? Ah bah oui, mince, je suis bête. Ouais, bon, en fait, ouais, j'aurais pu le terminer bien avant. J'avais pas besoin de faire pouvoir lunaire. Bon, tant pis, on s'en sort bien, mais encore de pas grand-chose. Ça fait peur, ça fait peur. Les meumeux. Sur Florges. Plus. Super potion. Utiliser. Hop. C'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. Ok, donc là, visiblement, on est, je sais pas où, j'ai trouvé une hyper potion. Mais c'est pas de là d'où je viens, là. Attendez, attendez, attendez. Vous voulez me dire que... Ah, mais si, c'est de là d'où je viens. Ça veut dire que depuis le début, il y a les escaliers. Merde! Je peux pas revenir. Je trouve un antigel. Oh non! Oh le débile, putain, j'ai pas remarqué. Ok. Alors, on a gagné. On va devoir tout refaire. Oh le champion. Je prends un champion. Mais ouais, vous allez voir, je vais aller trop vite. Laisse tomber, personne va me rattraper. Hop. Ça c'est bon. Hop. Et regardez, je vais aller trop vite. Genre, personne peut me rattraper. Hop, hop. Hop. Hop là. Ici. On va là. Hop. Là, c'est bon. Ok, là où j'ai fail, en fait, c'est que... Ouais. Non, en fait, c'est... C'est bon, je sais comment faut faire. Voilà. Hop. Non, c'est bon, en fait, j'ai trouvé. Ici, ici. Là, là. Voilà. Hop, hop. Hop, voilà. Ça c'est bon. On va passer par ici pour aller. En fait, on va peut-être pas passer par là. On va plus passer par ici. Ensuite, ici. Le karatéka. Hop. C'est bon, on est quasiment revenu là où on était. C'est bon. Hop. Easy money. L'effet du repousse est dissipé. Voulez-vous utiliser un autre? Oui. On va monter. Où est-ce qu'on est? Une super potion. On prend. Allez hop, on continue. On remonte. Encore une super grande zone. Oh, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Karatéka et tout, et tout. Là, il y a un dresseur. Oh là là là, il y a encore plein de combats. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que là, c'est trop long. Enfin, genre, c'est un épisode. Tu peux. Ouais, là, c'est super long. Bon, on va dire que c'est pour rattraper le fait qu'il n'y ait pas eu d'épisode cette semaine. Flanges. Feuille magique. Je le bute pas. Mais je peux peut-être faire de bons dégâts. Ok, je le bute pas du tout. Il m'a fait quoi, tempête? Non, j'ai pas vu. Et tempête sable. Ok. Pas de problème. Comment ça lui fait pouvoir lunaire? Non, ça lui fait peut-être de bons dégâts. Non. Non, non, non. Coup de jus. Tare énorme, il a coup de jus. Ok, normal. Normal. Bon, bah, on va changer. On va envoyer Aqualie. Comme ça,
pas de problème. Et ça m'énerve là tous ces combats, franchement là j'ai bien envie de les esquiver parce que ça sert plus à rien, hein. J'ai trop de level déjà. Tellurie Force. Ah ouais, il a un... bonnes attaques. Hein. Bon par contre, visiblement il a pas les stats qui suivent. Bon bah let's go. Let's go, let's go. Comme ça, il crève. Voilà, c'est parfait. Casse-toi tard énorme. Niveau 50 Aquali. Je crois qu'ils sont tous niveau 50. Voilà. Avec son de montagnard, on l'a battu. Hop, je crois qu'il y avait une Pokéball. Non, il n'y a pas de Pokéball. Non. En plus, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, bah là, il y a un karatéka, je me le fais. Hop. Mais c'est pas un problème, puisque j'ai florgé ça en premier. Donc, comme ça, ouvrifié. Ok. Easy. Pouvoir lunaire, ça le but. Obligé. Obligé, ça le but. C'est sûr. Allez, comme ça, je passe niveau 51 en plus. Yes. Parfait. Parfait, voilà, comme ça, je perds pas de temps. Niveau 51, Florges. C'est génial. On a battu le karatéka. Très bien. Ensuite. Ensuite, attendez, je vais voir si c'est la suite, là. Ah, bah, il y a la Team Flair. Bon, bah, je suppose que, ouais. J'ai peut-être dû rater quelques machins, mais au pire, c'est pas très grave. Quel froid épouvantable. Je me demande bien ce qu'il y a au fond de la caverne. Oh, un Blizzarois. Ah, le bon Blizzarois que voilà, il déborde d'énergie. Plus on lui inflige de stimulus stressant, plus son talent alerte neige devient incontrôlable. Vive le vent d'hiver. Bon, assez perdu de temps, capturez-le. Blizz. Ok, donc là on va affronter la Team Flair, je suppose. Hey! Donc là c'est encore une nouvelle. Enfin, on va dire haut placé dans la Team Flair que je ne connais pas. Les voleurs de Pokéball, que font-ils ici? Je pense que c'est évident, non? Nous capturons des Pokémon, nous n'allions pas faire des confitures de nos stocks de Pokéball. En particulier, ce charmant spécimen de Blizzarois retient toute mon attention, il regorge d'énergie. D'énergie. Tu m'as l'air bien lent, dis-moi, de l'énergie, de l'argent, des Pokémon, de l'énergie. Ce sont toujours ceux qui ont le plus qui gagnent. Le monde appartient aux possédants. Nanana, nanana. D'accord. Ok, on s'en fout. Donc là, il nous raconte un petit peu comment ça... Enfin, c'est quoi les buts de la Team Flair. Bitch, ils veulent rester les seuls survivants de ce monde. Ces gens sont complètement fous. Faites plier bagage à ces gamins. Ok, donc d'abord, combat double. J'ai l'impression... Ou alors simple et simple, je sais pas. Ouais, simple et simple. Ok, Nosferalto. Et je commence avec Florges. Donc je me casse. Et je vais envoyer Smogogo. Je pense. Oui. Smogogo. C'est parti. Il devrait le gérer à coup de tonnerre. En plus, il va passer niveau 51. Donc c'est parfait. Tranchère, pas de problème. Non mais vraiment tout se passe bien donc c'est cool. Pour le moment on a eu chaud. C'est vrai on a eu chaud. Mais maintenant ça va mieux. Donc pas de problème. Ok bon je le bute pas mais derrière je le bute. Ouais, le petit coup critique pas cool. Mais c'est pas grave. Tonnerre ciao. Voilà Nosferalto c'est bon. Ensuite on va affronter la... la méchante là. Hop là 51 pour Smogogo. C'est parfait. On avance tranquillement. On continue. Alors. Elexprint. Elexprint. Bah ma foi, j'ai quoi pour Elexprint? Eh ben, j'ai Kangolex. Comme ça, il va passer niveau 50. Comme ça, c'est pas une mauvaise chose. Croéclair. Bon, je la tiens. Voilà, parfait, pas de soucis. Mega Evo. Kuba. Je sais pas ce qu'il va m'attaquer. S'il m'attaque pas, je l'ai un petit peu dans le... Voilà. Allez, Kangolex. Bute-le. Ça devrait le buter. Ok, bon, paralysé, mais... Oh, genre, il doit la tenir, mais genre à 2 PV, hein.
Morsure. Ok, si tu veux. Je vais bouger parce que sinon ça va être chiant. Champignon. Et je le termine à coup de boule. Et il n'y aura pas de problème. Par contre, c'est chiant que je sois paralysé. Bon, lui aussi il va passer niveau 51, donc c'est pas un problème. Voilà, si tu veux, morsure, je la tiens. Et voilà, coup de boule. Je l'outspeed, je le bute. Ciao, il sprint. J'ai pas vu s'il avait un troisième poké. Sinon, j'ai gagné. Niveau 51 pour Champignon. Parfait. Voilà, ok, donc on a battu le sbire. Bon, pas trop de problème. J'espère juste que je vais pouvoir soigner mes Pokémon entre-temps. Parce que ça va être chiant sinon. J'ai perdu, mais ce magnifique paysage enneigé réchauffe mon cœur presque autant qu'une compétition de flair voguing. On s'en fout. Donc, ok, donc avant de l'affronter, je peux soigner mes Pokés. Je vais pas vraiment les soigner. Je vais juste mettre un antipara si j'en ai. Voilà, j'en ai 5. Antipara. Voilà. Et je vais même mettre Kangourex en premier. Parce que Kangourex, c'est quand même. Enfin, il est pas encore niveau 50. Donc voilà. Et c'est parti. Mais c'est que tu es extraordinairement fort. Aurais-tu de l'énergie à revendre, toi aussi? Ok, donc on va l'affronter. Ensuite, le bizarre roi, ouais, ce sera bon. Misiotis de la Team Fear. Ils ont vraiment des tronches en plus. Les boss de la Team Fear, c'est assez impressionnant. Démolos. Eh, elle a que Démolos. Ok, bon bah j'ai gagné. Colère. Je pense que c'est le but. En un coup. Sérieusement, je pense que c'est le but. Peut-être pas en un coup, mais en deux. Hein. Voilà, hop, je l'outspeed. Et normalement, j'ai gagné. Et bah voilà, en un coup, j'avais raison en fait. Et voilà, plein de points d'XP. Niveau 50 pour Kangourex qui a rattrapé son retard. Et qui va prendre contre, mais qui ne va pas la prendre. Voilà, hop, oui, il a pas pris. Et on a battu Misiotis. On lui a torché sa race. Et voilà. Donc ils vont dégager les mecs de la Team Flair. Et on va. Ils vont laisser tranquille ce pauvre Blizzardois. Assez, je déteste perdre, rentrons. D'accord, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui va arriver. Bitch, comment fais-tu pour ne pas avoir peur de te battre contre la Team Flair? Parce que c'est des bouseux. Il me terrifie, mais si. Putain, il est fragile lui, oh là là, c'est un truc de mal. Mais si nous ne nous étions pas battus, nous n'aurions pas pu protéger le Blizzardois. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi réservé que moi. Le Mamochon doit être rassuré maintenant. Ouf. Ok, donc casse-toi. Et le Blizzardois, il dit quoi? Hein? On dirait que le Blizzardois veut vous donner quelque chose. Tricker reçoit une Blizzarite. Oh bah c'est cool ça. Eh mais c'est cool. Wow. Oh, c'est cool! Bon, bah, nouvelle méga gemme. Je savais même pas qu'on allait l'avoir. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que ça nous fait notre petite collection. Bon, on en a pas beaucoup. Hein. On en a que 3, je crois. 4. 4. Donc, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Mais c'est toujours ça de prix. Là, on peut pas y aller. Et. Ok. Non, mais de toute manière, on va utiliser la corde sortie pour sortir. Et puis ensuite, eh ben, on va se quitter là. Que j'ai une corde sortie, sinon ça va pas le faire. Corde sortie, j'en ai 3, c'est parfait. Sortons, et donc dans le prochain épisode, et eh ben on va s'attaquer à la route Momochon. Donc on va juste retourner bah, à la ville, quoi. Je suppose qu'on va croiser le mec avec les Momochons, avec le Mamochon qui devrait aller mieux. Bah, d'ailleurs, il est plus là, il doit être revenu sur la route Momochon. Normal pour un Momochon. Voilà, voilà, hop, c'est parti. On va même prendre le truc avec le roller. Ok, je croyais que j'arrivais plus à faire de roller. Hop, on redescend, on redescend. Et mais c'était pas enneigé tout à l'heure. Ah, y a plus de neige. Ah oui, d'accord, à cause du bizarre, ouais, il y avait de la neige. Ok. On comprend mieux maintenant pourquoi. Donc, allons ici. Et normalement, il y aura le Mamochon. Enfin, on va se faire donc la route Momochon qui apparemment est assez longue dans le prochain épisode. Bon, on peut dire que cet épisode est assez long puisqu'il fait 1 heure. Alors, je suis vraiment désolé, ça va être l'épisode le plus long de tout le Wonderlock actuellement. Peut-être qu'on fera encore plus long, je n'espère pas. Mais voilà, je suis désolé que si l'épisode est vraiment trop long.
Je verrai si je le coupe en deux ou pas, mais je ne pense pas. Et donc voilà, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, même si à mon avis c'est assez compliqué si vous avez tenu jusqu'ici. Félicitations si vous avez tenu jusqu'ici. Et donc voilà, on se retrouve très prochainement pour la suite de notre aventure. On a pas mal avancé dans l'histoire du scénario, puisqu'on a fait la caverne gelée, on va donc pouvoir quitter la frescale. Donc voilà, ciao tout le monde, portez-vous bien, bye bye.